Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour mon haul Black Friday pas de magoas. Alors pas de magoas, cette année elle avait fait jusqu'à moins 40% si on dépensait, je sais plus, c'était 230 euros je crois, ou un truc comme ça, sur les tarifs normaux entre guillemets. Et il y avait également, il y avait un code Holiday 10 qui donnait encore 10%, mais c'était sur les produits de la collection de Noël je crois. Et quand on atteignait quasiment 300 euros, 290 euros, on avait un quad offert. Alors, il y a eu un petit bug dans leur logiciel. Et je me suis retrouvée avec des produits en double. Donc au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais vous montrer ça. Alors déjà, ça c'était le quad qu'on avait en cadeau. Donc celui-là, je l'ai. Donc je pense que je le mettrai sur Vinted. C'est le Ritualistic Rose qui est très joli. Alors j'essaie de le sortir sans... J'ai galéré la dernière fois à le remettre. Donc là j'ai vraiment envie de le sortir sans avoir à tout sortir. Pour vous montrer. Ben non, décidément j'y arriverai pas. Donc voilà comment il se présente. Bon, voilà, ça c'était le quad offert. C'est une de ses premières collections de Noël. Avec le rouge et noir et le bleu. Donc il y avait celui-ci et après il y en avait eu une autre de la collection de Noël d'après. Donc lui j'avais pas, mais bon, moi j'avais commandé à ce moment-là, donc voilà pour ça. Donc celui-là il partira sur Vinted. Et ce qui va partir sur Vinted aussi, c'est une des deux. Voilà. J'en ai commandé qu'une. Hein. Donc là elles étaient à 76,80. Donc là j'en ai deux. Elles sont toutes les deux pareilles. J'ai pas encore décidé laquelle j'allais garder. Je pense que je vais garder celle qui a le packaging le moins abîmé. Parce qu'il y a toujours tendance à s'abîmer un peu le packaging. Et c'est donc la fameuse Mothership 2. Qui est comme ceci. Avec le fameux vert. C'était celle qui me manquait à ma collection. Donc en promo je l'ai prise. Et quand j'en ai vu deux, je me dis mais... Alors du coup, je suis vite allée vérifier, parce que des fois, on fait des bêtises, on met deux produits dans le panier, mais bon, vu le prix du produit, je pense que je m'en serais aperçue au niveau du montant de la commande. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mais il y a eu un bug. Voilà. Donc oui, je vous confirme bien, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, et je suis, je pense, pas la seule à avoir eu des bugs. Donc voilà, c'est exactement la même. Et donc celle-ci, elle ira sur Vinted. Alors je vais peut-être pas les mettre tout de suite parce que comme il y a encore des promos sur le site de Pâtes, ça sert à rien de mettre des produits en vente quand il y a de bonnes promos sur le site marchand. Parce que bon bah la plupart des gens sont comme moi, quand il y a des promos sur le site marchand, ils préfèrent commander sur le site marchand. Ensuite, j'avais pris cette petite palette, c'est la... comment ça s'appelle? La palette de voyage. La Midnight Voyage, alors là, j'ai pas pris de ciseaux et il n'y a pas d'encoche, ouverture facile. Alors, je vais t'en mettre comme ça. Non, bah tant pis. Donc, je vous la montre comme ça, vous la verrez la prochaine fois quand je la mettrai dans une rotation palette. Donc, c'est la mini palette de 6 ombres qui était sortie il y a déjà un moment, qui était dans ma wishlist, donc je l'ai prise. Et ensuite j'ai pris des blushs duo. J'en ai pris, j'ai pris par deux. Donc je pense que c'est ces deux-là. Non, c'est ces deux-là. Voilà. Et je les ai eu en double. Donc autant vous dire qu'au final cette commande m'a coûté 211 euros. Mais avec, après, quand j'aurai revendu les produits que j'ai eu en double, ça me reviendra beaucoup moins cher. Voilà, donc il y a le blush qui s'appelle Venusian Sunrise. Qui est comme ceci. Voilà. Et le blush Aphrodite Amour. Voilà. Parce qu'en fait, on pouvait pas prendre. J'avais regardé par l'eau de 3, mais par l'eau de 3, ça marchait pas. Donc du coup, j'en ai plus que deux, les deux qui me plaisaient le plus. Je n'ai pas de blush duo, j'ai des blushs classiques. Voilà comment il est celui-là.
J'ai pris les teintes entre guillemets les plus claires pour aller à ma carnation parce que les autres teintes étaient quand même... ça faisait quand même assez foncé et d'après les revues que j'ai regardées avant d'acheter, ce qu'ils disaient c'était que globalement ces blushs là étaient quand même assez pigmentés. Donc ça c'est Venusian Sunrise en deuxième exemplaire, voilà, qui est pareil, hein. Voilà, tout neuf, et qui va aller à quelqu'un sur Vinted. Donc je ne sais pas encore à quel tarif je les mettrai, et je vous dis, je vais peut-être pas les mettre tout de suite tant qu'il y a les promos là de Noël, ce serait un peu contre-productif. Sachant qu'en plus sur Vinted, je mets jamais tout en même temps, parce que j'ai pas envie de me faire retoquer, et là si je mets tout d'un coup, ils vont dire, ah mais vous faites du commerce, ben non, je revends des trucs que j'ai en doublon. Et donc Aphrodite Amour, que j'ai également en double. Quand j'ai vu les blushs, je me suis dit, ah, avec un peu de chance, ils m'ont mis des couleurs différentes. Non, non, ils m'ont mis les mêmes couleurs. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire, à la limite, dans les commentaires, si vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé, je vous les mets directement sur Vinted. Les blushs, je pense que je les mettrai autour de 25€. Je n'ai pas encore réfléchi, mais voilà. Et ensuite, j'ai commandé les palettes de Noël. Alors, les deux pitchounes qui s'ouvrent comment? S'ouvrent là? Non, là. Celle-ci, c'est la Nuit d'Allure. Qui est comme ceci. Celle-là, elle est jolie, elle a l'air due au chrome. J'ai une main super froide. Ah oui, il est trop beau celui-là. Franchement, très beau. Donc, la Nuit d'Allure. Et la Bronze Blitz. Celle-là, je crois, elle est un peu plus dans les tons un peu plus foncés. Voilà comment elle est. Donc, elle est jolie aussi. Voilà. Franchement, je trouvais qu'elles étaient très jolies, ces petites palettes. Et au départ, j'avais pas prévu de prendre la grande. Et puis quand j'ai vu les soldes, j'ai dit, ouais, mais c'est hyper intéressant. Du coup, j'ai pris aussi la grande. Et bon, là, j'ai pas eu de casse. L'année dernière, j'avais eu de la casse. Du coup, ils me l'avaient renvoyée. Résultat, ben, je l'avais rendue 40 balles, je crois, sur une boule. Voilà, ou 45 balles, ça avait fait une rose. Elle était partie hyper vite, la palette. Voilà, c'est la grande. La Mothership Mega Celestial Nirvana. Qui est comme ceci. Elle est très colorée cette année. Donc je me suis dit que j'allais tester. C'est rare qu'on ait des fards aussi colorés, je sais pas tout. Mais bon, après c'est du mat, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Ça a l'air pas mal. Là, elle a sorti une collection Star Wars. Les petites palettes me font de l'œil, mais la grande, c'est la Midnight Sun qui a été repackagée, comme elles avaient fait pour... avec la décadence, je crois, qu'ils avaient repackagé quand ils avaient sorti Star Wars, je sais plus quel épisode. Ah oui, celui-là, il a l'air très joli. Ah oui, il a l'air pas mal. C'est, bon, je sais pas le nom de la teinte. Lunar Lavender. Mais on l'a pas déjà eu, cette couleur-là. J'ai l'impression que c'est une couleur qu'on a eue l'année dernière. Mais je me trompe peut-être, mais ça me dit quelque chose. Si c'est le cas, ça aurait été un peu dommage. Bon, après, je ne l'ai pas payé, ça va. Je ne l'ai pas payé plein prix, la palette. Donc, c'est... Je crois qu'au final, sur la commande, j'ai dû... Par rapport au prix plein, j'ai dû être 400 balles de commande. Enfin, honnêtement, ouais, Enfin, voilà, ça valait le coup pour... Mais bon, quand on se dit qu'ils arrivent à faire du... moins 40%, il y avait du moins 50% chez Anastasia Beverly sur les palettes, quoi. Ça veut dire que plein prix, ils se font quand même une sacrée marge. Voilà pour ça. Donc je vais garder les emballages pour pas qu'elles s'abîment, celles que je vais vendre, et les autres je vais les ranger pour la prochaine rotation make-up. Donc voilà, après comme d'habitude, si vous voulez aller acheter des produits lèvres chez Pat McGrath, franchement attendez le Black Friday, parce que tous les ans
quasiment tous les produits lèvres sont soldés à 12 euros. 11-12 euros. Moi, c'est comme ça que j'ai acheté mes premiers rouges à lèvres et les suivants l'année d'après, je crois. J'en ai pas re-racheté, j'avais fait un panier, je voulais tester leur rouge à lèvres, leur liquide mat et leur gloss, mais je me suis dit j'en ai plein pour le moment. Voilà, attends, de toute façon elle le fait tous les ans, l'année prochaine ce sera pareil, donc là cette année j'ai pas fait. Et en fait j'attendais de voir si on pouvait cumuler les promos, mais non on peut pas cumuler les promos. Voilà, c'était tenté, mais c'était bien tenté, mais bon. Donc voilà pour cette commande Pat McGrath. Je sais pas, dites-moi si vous aussi vous avez craqué, mais franchement le Black Friday, je sais pas tout, c'est vraiment une très bonne affaire, sachant que par contre, après, là maintenant, au moment où je filme cette vidéo, où on est le 10 décembre, il y a les soldes d'hiver où il y a moins de 35% sur le site. Donc, si ça vous intéresse, voilà, il n'y a pas forcément, si vous n'avez pas une grosse commande à faire, si vous n'avez pas une grosse commande à faire, je vous recommande, enfin au Black Friday, je vous recommande d'attendre en fait les soldes d'après où il y a moins de 35% sans minimum d'achat quoi. Parce que c'est vrai que là sur le Black Friday, il fallait quand même avoir un certain montant d'achat pour avoir les promos. Après je sais qu'il y en a qui ont réussi à faire bugger le site et où il a mis en fait les promos alors qu'elles n'avaient pas atteint le minimum d'achat. Donc moi ça m'est pas arrivé, et puis bon je vais pas essayer, j'ai fait la commande en deux fois, j'avais commencé à faire un premier panier, et puis j'ai validé sur le deuxième panier. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, on arrive au terme des vidéos Black Friday, je crois que j'attends encore une ou deux commandes, et ce sera fini. Voilà, allez, ciao ciao!